Martin, moi, je suis très attaché à Pomona parce qu'elle n'a pas chanté beaucoup ce soir et elle m'avait promis qu'elle chanterait beaucoup, alors je suis pas content du tout. Ne sois pas fâché, mon fils, je vais te chanter une petite chanson. Oh, mir zahe malbeten, I malbeten, ki ma herzo mia, ki ma herzo mia. Na mir zahe malbeten, stehst du bei die Tier. Na mir zahe malbeten, stehst du bei die Tier. Verstehst du bei die Tier? Lass mir sich überbeten, verstehst du bei die Tier? Lass mir sich überbeten, überbeten, stell dem Samovar, stell dem Samovar. Lass mir sich überbeten, sei genisch kein Art. Lass mir sich überbeten, sei genisch kein Art. Verstehst du bei die Tier? Lass mir sich überbeten, verstehst du bei die Tier? Lass mir sich überbeten, verstehst du bei die Tier? Lass mir sich überbeten, verstehst du bei die Tier? Lass mir sich überbeten.
Je vais vous raconter l'histoire de cette chanson qui symbolise mon envie de transmettre et de perpétuer l'héritage de mes ancêtres et de la culture yiddish. Je suis issu d'une famille de musiciens depuis plusieurs générations, et mon héritage culturel vient d'Europe de l'Est, et plus précisément d'une famille juive d'Europe de l'Est. Mes grands-parents ont fui la Pologne et sont arrivés en France dans les années 20. Du côté de mon père, nous avions deux oncles musiciens. Charlie était contrebassiste et Léo, qui était violoniste. Après la guerre, dans les années 50, ils avaient tous les deux joué avec les musiciens Manouche et Tzigane de Paris. Et Léo avait enregistré et joué avec le frère et le fils de Django Reinhardt. Le yiddish, c'est la langue que parlaient mes grands-parents en Pologne. J'ai toujours entendu dire que c'était une langue morte. Alors l'envie de perpétuer cette culture à travers la musique m'est alors apparue comme indispensable. C'est une façon pour moi de permettre à ce patrimoine familial de survivre. À la maison, on entendait souvent nos grands-mères chanter. C'est d'ailleurs Mémé Esther que vous avez entendue dans la chanson. J'ai retrouvé sa voix sur une cassette audio, c'était un enregistrement lors d'une réunion de famille. Et cet enregistrement m'a donné envie de lui rendre hommage dans le dernier album que nous avons enregistré avec Les Yeux Noirs, groupe que j'ai fondé en 1992 avec mon frère. Grâce aux technologies modernes, j'ai réussi à sampler sa voix, à l'extraire, à la numériser, la découper et l'intégrer dans une machine qu'on appelle un sampleur. Nous pouvons ainsi chanter avec elle sur scène, partout dans le monde. Ma grand-mère aurait 117 ans aujourd'hui. La renaissance peut s'opérer à n'importe quel âge. En tant que musicien-compositeur, je me sens inspiré par des univers musicaux très variés. Mais ce qui m'attire le plus, c'est l'envie de transmettre. Transmettre une émotion, transmettre un répertoire, transmettre une culture. Une culture qui serait amenée à disparaître si on ne faisait pas ce travail de réappropriation et de remise au goût du jour. Quand nous avons créé Les Yeux Noirs, la musique, l'image qu'avait la musique tzigane et yiddish était une image un peu galvaudée, c'était une musique de cabaret. Et nous avons voulu dépoussiérer cette image et montrer qu'il pouvait y avoir, certes, de la nostalgie, mais aussi beaucoup d'énergie, comme dans le rock ou la pop. Nous avons voulu mêler le passé traditionnel au présent le plus moderne. J'ai très vite été attiré par les musiques électroniques et les possibilités qu'elles pouvaient donner de réinventer un langage musical en allant chercher des sonorités, les triturer et se les réapproprier. J'ai toujours eu envie de faire se rencontrer Radiohead, Björk et un musicien klezmer tout juste sorti d'un vieux vinyle. Je vois la musique comme une architecture moderne, un meuble au design contemporain dans une vieille maison ou des antiquités dans un loft moderne. Vous prenez un fauteuil Louis XV que vous placez dans un appartement au design moderne et vous avez donné une seconde vie à ce fauteuil, un nouvel élan. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'Arum. Arum, que j'ai composé. Je l'ai composé alors que j'étais en train de travailler sur un album de musique électronique, avec des rythmiques urbaines, des sons industriels, et je m'amusais à sampler différents instruments et différentes matières sonores. Je suis tombé au même moment sur un poème yiddish, et l'idée de mêler une mélodie yiddish à cet univers urbain était pour moi une évidence. J'étais en train de faire de l'électro-yiddish. J'ai écrit une mélodie qui s'est mêlée au rythme. Et puis je suis allé chercher des chants de cantors, qui sont des rabbins qui officient en chantant des prières. C'est un passé décomposé que j'ai voulu recomposer en créant une musique inspirée et nourrie de mes racines. Les grands-parents ont voulu s'intégrer en se coupant de leurs racines et en arrêtant de parler le yiddish. Moi, j'ai voulu m'intégrer en transmettant cette culture.
Et je me suis révélé à travers cette musique et en puisant dans mes racines. Traverser le temps, c'est s'inspirer. C'est s'inspirer du passé, le faire renaître en lui donnant une forme nouvelle, une forme plus moderne. À travers la musique, je participe à la renaissance de mon passé et de la culture dont je suis issu. La musique est mon passeport. Elle me permet de m'ouvrir au monde et de communiquer comme un véritable espéranto. Un jour, une dame, après un concert, m'a dit « Je suis contente d'entendre ces mélodies qui ont bercé mon enfance, réinterprétées, et qui, grâce aux arrangements que vous avez faits, vont permettre à mes petits-enfants de garder un lien avec notre culture. » La musique est intemporelle, en perpétuelle évolution. Elle inspire et s'inspire pour renaître à chaque fois. Chaque année, les feuilles des arbres renaissent, nourries par les racines qui sans cesse vont chercher leur nourriture et leur substance dans les profondeurs de la terre. Chaque année, il s'agit d'un même cycle qui reprend et de la nouveauté apparaît, issue pourtant d'un même terreau. Dans cette analogie, l'arbre et la musique, les feuilles, le fruit d'une longue maturation qui toujours se recrée grâce au terreau que sont l'histoire et l'héritage du musicien. Scheint auf der Himmel, wir sahen.